travaillé à l'Artésian, qui est un bar d'hôtel, Forbes Hotel, qui sont un peu des 5 étoiles là-bas, qui se trouve à Sceaux. Exactement, avec qui je travaillais préalablement au Little Red Door à Paris également, que j'ai suivi également aussi au syndicat maintenant. J'ai gagné le concours France avec mon cocktail Magdalena, qui est tout à propos de la Madeleine de Proust et le fait que les saveurs peuvent nous retransmettre des émotions et nous permettre de voyager dans le temps, entre guillemets. La finale aura lieu virtuellement en juin, donc on a hâte. La dernière fois que j'ai savouré une bouteille de champagne, c'était il y a 2 ans. Je l'ai plus refait depuis, je me suis un peu acharnée sur la bouteille et en fait elle a explosé dans mes mains, donc dernière commande, plein de glace dans le bac à glaçons et un de mes amis qui s'était un petit peu abîmé la main à cause de moi, donc voilà, mauvaise expérience. Voir mes amis dans des bars, dans des restaurants, sortir, vivre en fait, j'ai envie de dire, ce chose qu'on a mis en pause depuis près d'un an, 1 an et demi, je pense que c'est le mot qui va ressortir et qui manque à tout le monde. Partout, j'ai envie de dire partout, j'ai envie de tous les faire, que ce soit à Paris, à Londres, j'ai envie de dire Divine, Bisous, Fréquence, Cambridge, Little Red Door. On peut citer Londres en retournant voir les amis Artésian, Satan, Swissker, Swift. Vraiment, je pense que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas pu voyager, qu'on n'a pas pu vraiment pouvoir se faire plaisir et profiter. J'attends de voir pour le croire, franchement. C'est le pénicilline. J'adore qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, un peu de citron, un peu de miel, un peu de gingembre, ça nous permet de déculpabiliser sur le fait de boire de l'alcool. C'est génial. J'appelle tout le monde Ninou. Donc c'est vrai que pendant le service, ça peut être assez agaçant pour mes collègues parce que Ninou passe-moi l'appel et t'as tous les chiffres qui se regardent, c'est lequel, mais c'est assez attendrissant, j'aime bien. Un peu perfectionniste, mais j'ai l'impression que c'est plus dans le défaut que dans la qualité. Quand j'étais à Londres, je buvais ce qu'on appelle ces cidres aromatisés. Et j'étais une grande fan du cidre aromatisé à la fraise et citron vert. Je suis pas très fière. Drinks by Twins. À la faveur de l'automne, bien entendu. Mais je connais aussi fait ce qu'il te plaît, To the house beat. T'as oublié de me demander quelle était ma meilleure blague ? Qu'est-ce qu'une tomate avec une cape? Une super tomate. Et qu'est-ce qu'une banane avec une cape? Une banane qui se prend pour une super tomate.